Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de mes essentiels. Donc vu qu'on est au mois d'automne, ça sera bien sûr mes essentiels d'automne. Donc vous aviez l'air de bien avoir aimé la première vidéo donc sur mes essentiels de l'été. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais juste vous montrer en fait mes favoris en ces mois d'automne, en cette saison d'automne. Donc ça peut être l'ivresque, du thé, etc. Enfin tout, plein de petites choses. Punaise. Mon trépied me lâche en direct. Ça sera bon bêtisier. Hein, si vous penchez, vous savez pourquoi. Bref. Donc, je disais, je vais vous montrer tous mes petits favoris de l'automne. Ça peut être un livre, une bougie, un thé. Voilà, des petites choses comme ça, surtout des compagnons de lecture en ce mois d'automne. Commencez tout de suite par le seul livre que j'ai à vous montrer dans cette vidéo. Il s'agit, à l'endroit c'est mieux, il s'agit de la BD Alicic, donc le tome 1 automne de Vogue and Ruffled. Donc les auteurs ont déjà des noms assez particuliers, j'ai toujours du mal à les dire. Donc la première, la BD Alicic, donc je vous ai montré dans mon In My Mailbox et qui faisait partie de ma pal à l'October. Donc je l'ai lu, j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD. Pour moi elle représente parfaitement l'automne, elle est dans des couleurs comme vous le voyez brunes. Vraiment elle représente très bien l'automne et en même temps elle fait assez Halloween. Donc vous avez je vais essayer de vous montrer, des planches qui sont assez sombres. Donc vous voyez qu'en plus ça se passe dans un cimetière en grande partie. Donc voilà des planches assez sombres qui représentent bien je trouve l'automne et la période d'Halloween. Vous avez aussi des planches assez dans les tons, vous voyez orange, rouge, avec des, je trouve les ciels qui représentent vraiment l'automne. Il porte très bien son titre. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'espère qu'il y a les autres tomes dans ma médiathèque, puisqu'il y aura 4 tomes. Donc le deuxième c'est Hiver, le troisième Printemps et le quatrième s'appelle Mort. Donc bon voilà, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je vous la conseille vivement si vous avez l'occasion de l'emprunter, ou si jamais vous êtes adepte de BD et que vous préférez les acheter. Moi c'est vrai que je les emprunte souvent, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'histoire est très mignonne, mais en même temps aussi elle est assez glauque et ça fait pas peur, mais en tout cas voilà, c'est une très bonne lecture de l'October, une très belle lecture d'automne et je suis vraiment ravie de l'avoir lu. Donc voilà pour mon premier favori. Ensuite mon deuxième favori un peu qui reste dans le livresque, c'est mon marque-page hibou. Donc c'est un petit hibou comme ça, je pense que vous le voyez bien, donc qui est en feutrine ou en feutre, je ne sais plus comment on dit, enfin en tissu. Et donc voilà, je l'avais acheté, mais je ne sais absolument plus où. Et il me semble que j'en avais aussi offert des similaires à Chloé dans un no swap. Et voilà, je les trouve juste trop mignons. Donc vous voyez, il se lève comme ça et il se met sur la page. Et voilà, il est juste trop chou et c'est juste parfait en automne, ce petit marque-page. Ensuite, un autre favori qui... d'automne, de cet automne, tout simplement parce que je viens de les acheter, donc du coup je les mets dans les favoris de l'automne, mais ça va être je pense mes favoris pendant un certain moment. Ce sont mes deux nouveaux carnets, donc que j'ai trouvé chez Action. Alors je sais pas si vous connaissez ce magasin, moi il vient tout juste, enfin tout juste, il est ouvert cet été dans ma ville, et là-bas je trouve déjà des petites choses de déco vraiment pas chères, mais il y a aussi de la papeterie vraiment pas chère du tout, et j'ai craqué pour ces deux petits carnets. Je commençais à me lasser de mon carnet à vidéo noir avec des fleurs, j'en voulais un nouveau, donc du coup j'ai pris celui-là, donc nouveau mot dans le dictionnaire, attention, n'importe quoi. Donc j'ai pris celui-ci pour les vidéos YouTube. Donc voilà, c'est mon nouveau carnet YouTube, je l'aime vraiment beaucoup. Donc là je vais pas vous montrer parce que j'ai mis plein de papiers dedans, j'ai préparé des tags qu'il faut que je vous filme dans la semaine, donc du coup il faut que ça reste top secret. Donc voilà pour celui-là, et j'ai pris celui-ci pour le blog.
parce que j'avais pas de carnet vraiment dédié au blog, je mettais tout dans le même et du coup ça m'a un peu embêtée. Et vu que je voulais vraiment faire un peu plus d'articles écrits, etc., sur le blog déjà depuis un an, et là je vais essayer vraiment de m'y mettre. Donc j'ai mis toutes mes idées dans ce petit carnet et comme ça en plus j'ai pu répertorier toutes mes chroniques à écrire. Donc vous voyez, on a un sacré paquet. Il faut que je m'y mette. Il faut vraiment vraiment que je m'y mette. Mais voilà donc pour ces deux petits carnets que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et si vous avez un Action par chez vous, n'hésitez pas à aller voir parce que je crois que je les ai payés 89 centimes chacun. Donc franchement ça vaut rien quoi. Enfin ça vaut rien. C'est de la très bonne qualité. En plus moi j'aime beaucoup parce que c'est des lignes et pas des petits carreaux. Mais voilà, ça coûte vraiment rien du tout. Ensuite, un troisième favori, c'est un livre de cuisine, parce que c'est un peu ma grande passion en ce moment. Je me suis vraiment remis à cuisiner et je cuisine de toute façon beaucoup plus en automne-hiver qu'en printemps-été. Donc j'ai d'ailleurs commencé à vous mettre un peu mes recettes préférées de petites douceurs parfaites comme compagnon de lecture. Donc sur le blog, je vous mettrai le premier article en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et je pense que j'en ferai d'autres. Donc non, pas mon troisième, mais mon prochain favori de cet automne, c'est ce livre. Donc c'est un livre sur les mug-cakes. C'est Amandine qui me l'a offert dans notre swap au mois de mai ou juin. Et donc je l'aime beaucoup beaucoup ce livre parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert les mug-cakes et que je me suis mise à en faire. Donc pour le moment, j'en ai pas fait énormément de ce livre, j'en ai fait trois. Deux sucrés, un salé, mais j'ai été forcément piocher d'autres recettes sur internet, donc j'en ai vraiment plein 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 que j'aime beaucoup, surtout un mug cake au Nutella qui se fait en 2 minutes top chrono. Et donc voilà, quand d'un coup on a envie d'un gâteau au chocolat mais qu'on a envie que ça aille vite, et ben c'est vraiment parfait parfait. Donc voilà, je vous mettrai sûrement mes recettes préférées sur le blog parce que les mug cakes c'est vraiment une révolution pour moi. Je suis quelqu'un d'assez, comment dire, pas impatiente mais presque. Et quand il faut mettre 4 heures à faire de la pâtisserie, parfois ça me plaît mais parfois non. Et là voilà, ces livres-là, c'est vraiment, ces gâteaux-là, c'est vraiment génial. Surtout qu'il y a aussi des recettes salées et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et c'est vraiment vraiment chouette et c'est très bon. Donc voilà pour ce nouveau favori. Ensuite, j'ai deux thés à vous montrer. Donc il y a un peu mon thé de toute l'année, mais là je l'ai vraiment ressorti moi en automne parce que je ne l'ai pas du tout bu cet été. C'est mon infusion pomme cannelle de chez Elephant. Voilà, elle est juste parfaite cette infusion, je l'adore, j'adore le mélange pomme cannelle. D'ailleurs ma première recette sur le blog de petits gâteaux, c'est ce mélange là, c'est un mélange de pomme et de cannelle et moi j'adore ça. C'est vraiment, je trouve, des saveurs parfaites pour l'automne. J'en fais aussi un peu en hiver mais c'est vraiment juste parfait parfait pour cet automne avec un petit thé. Voilà, donc moi j'aime beaucoup 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 cette infusion et là d'ailleurs je viens, vous voyez, de la racheter. C'est une boîte neuve parce que j'en avais plus, mais voilà, je suis vraiment accro accro à cette infusion. Et le deuxième thé que j'ai à vous montrer, je suis juste mais ravie de l'avoir retrouvé en magasin. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais la toute première vidéo que je vous ai tournée sur les thés, sur mes thés préférés, je crois que ça devait être l'hiver dernier, donc ça doit dater d'un an. Et je vous parlais d'un thé de rooibos de chez Tetley à la vanille que je ne trouvais plus en magasin. Et c'était un peu le drame de ma vie parce que c'était mon thé à la vanille préféré. Et la dernière fois, en faisant les courses à Auchan, qu'est-ce que j'ai vu? À l'endroit c'est mieux. Mon thé Tetley rooibos à la vanille. J'étais comme une gamine, mais franchement les gens ils ont dû me prendre pour une folle. J'étais juste trop 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 contente. Ce thé c'est une tuerie. D'ailleurs vous pouvez le voir, la pauvre boîte elle en a déjà pris un coup parce qu'il y en a, enfin si, il y en a encore quelques-uns, il doit y en avoir encore une dizaine, mais j'ai déjà bien tapé dedans. J'adore ce thé. Donc c'est celui-ci. Il est juste génial, génial, génial. J'adore ce thé rooibos à la vanille. C'est voilà, c'est juste une tuerie. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment les deux thés que je bois tout le temps en ce moment. Souvent celui-là le matin et plus l'infusion dans l'après-midi.
Même s'il m'arrive souvent de boire celui-là le matin, celui-là l'après-midi au goûter et l'infusion le soir avant d'aller dormir. Enfin, moi je bois tout le temps du thé. Donc voilà, mais je suis vraiment ravie d'avoir retrouvé ce thé. Et d'ailleurs, comme m'a dit ma mère, on devrait peut-être aller s'en faire un stock et acheter 2-3 boîtes avant qu'ils nous le retirent encore des rayons. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup et n'hésitez pas si vous le trouvez à l'acheter et à le goûter parce qu'il est vraiment... Il est vraiment super super chouette et c'est vraiment l'un de mes favoris. Et ensuite pour aller avec mes thés, eh bien j'ai ma petite tasse chérie à vous montrer. Donc alors chez nous elle s'appelle Poulette, tout simplement parce que c'est une poule. J'ai complètement craqué quand j'ai vu cette tasse. Ça fait un an que je l'ai maintenant, elle commence à craqueler de partout la pauvre. C'est une tasse assez fragile puisqu'elle ne peut pas se mettre au micro-ondes, elle ne peut pas se mettre au lave-vaisselle. Donc je sais absolument pas ce que c'est comme matière, mais là elle commence vraiment à morfler. Regardez son petit bec, il s'est écaillé, même sa petite crête. Mais moi j'aime juste trop cette tasse en forme de poule. Elle est juste trop belle, elle est vraiment dans les tons que j'aime, dans les tons neutres, dans les tons assez campagnards. Et voilà, je l'aime beaucoup pour l'automne. Pour l'hiver j'en ai une autre. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup cette tasse. Et je voulais vous la montrer, il y a toute une collection. Pareil chez Auchan, c'est chez Auchan que je l'ai achetée. Ça fait un an maintenant que je l'ai, mais cet été, j'ai trouvé des plats. En fait, oui, je pense que c'est des plats. J'aurais dû aller les chercher dans les cartons pour vous montrer. Et j'ai craqué, en fait, je les ai achetés en prévision d'un futur chez moi, alors qu'il n'est absolument pas prévu hein, de partir de chez... De la maison familiale, enfin de chez ma mère. Mais quand je les ai vus, voilà, elle m'a dit on n'aura pas de place pour s'en servir à la maison, mais prends-les si tu craques parce que voilà, tu les retrouveras pas. Donc j'ai des petits plats en fait à l'effigie de cette poulette. Et voilà, ils sont juste trop mignons. Donc je pense que vous pouvez encore les trouver chez Auchan. Il y avait les assiettes, etc. Il y avait des plats. Et il y avait encore des tasses et moi je pense que je vais aller m'en rechercher en fait parce qu'il y en avait aussi dans les tons gris avec les pois rouges, blancs et d'autres tons gris que le fond. Donc elle était vraiment très jolie mais moi c'est celle-là que je préfère et je pense que je vais aller m'en rechercher parce que je sais pas si vous allez voir mais elle est vraiment vraiment en train tout partout de se fendre. Je pense que c'est tout simplement parce que je bois mon thé 2 à 3 fois par jour dedans depuis un an. Et du coup bah elle commence à avoir chaud quoi. Je pense que ça doit être la chaleur ou l'usure, je ne sais pas. Mais voilà, je voulais vous montrer ma petite tasse. Je pense que vous pouvez toujours la trouver dans les Auchan, j'espère d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été vérifiée. Donc il faudrait que j'aille voir, mais moi c'est sûr que je vais m'en racheter parce que c'est vraiment le genre de vaisselle que j'aime beaucoup. Et voilà, elle est trop mignonne. Et donc ensuite, ma bougie préférée du moment. Je m'y attendais pas du tout en fait quand je l'ai achetée. Et donc il s'agit d'une bougie comme ceci, donc de chez Airwick. C'est une bougie, alors ils appellent ça bougie spirale parfumée. Alors c'est la gamme couleur de la nature. Et c'est la senteur forêt dorée d'hiver. Donc voilà, je vous avais gardé le petit papier. Et en fait, pour moi ça sent absolument pas l'hiver cette chose, ça sent l'automne. C'est une tuerie, je ne saurais pas comment vous décrire cette odeur. Pour ma part je l'ai trouvée chez Stokomani. Ils en avaient un grand stock et elle était à peine à 2 €. Et c'est juste, alors vous voyez comme je l'ai bien fait brûler. Par contre juste grosse déception, c'est qu'elle brûle sale quoi, j'ai envie de dire. Ça fait pas propre, vous avez toute la cire là qui s'est enlevée. Mais elle continue à se creuser, les côtés ne brûlent pas. Donc ça c'est vraiment dommage parce qu'au final ça va gâcher de la bougie. Donc il faudrait que j'essaie de le gratter pour le remettre au centre. Donc ça c'est le petit point négatif. Mais mon dieu, cette odeur. Et le pire, enfin le pire, le mieux surtout, c'est que même éteinte, elle diffuse son odeur. C'est à dire que des moments, donc moi je l'ai mis sur ma table de nuit. C'est celle que je fais brûler le soir en ce moment quand je lis. Et même si je ne l'allume pas, il y a des soirs où je sais que je vais pas lire longtemps, donc je n'allume pas ma bougie. Et ben, à avoir vraiment, elle est quoi, je sais pas à combien de distance elle est de ma tête, mais je la sens. Et voilà, c'est juste une tuerie. Ça a une odeur un peu de forêt, comme ils disent. Mais
comment vous dire, ça a vraiment une odeur d'automne. Moi, ça me fait penser aux feuilles qui tombent dehors. Et ouais, c'est une tuerie. C'est un petit peu sucré, un peu comme du caramel peut-être. Et ça a un côté un peu masculin, je trouve. Ouais, donc enfin voilà, faudrait vraiment que vous alliez la sentir. Et je sais pas si elle est encore disponible en grande surface, mais en tout cas, c'est une super super bougie que je vous conseille. Donc voilà pour mes favoris livresques et compagnons de lecture entre guillemets. Maintenant je vais vous montrer mes 4-5 favoris un peu plus voilà, qui sortent un peu du cadre des livres etc. et de tout ce qui peut tourner autour. Donc mes favoris vernis à ongles de ce mois-ci, puisque je vous l'ai dit la dernière fois, j'adore les vernis à ongles, ce sont deux vernis de chez Essence. J'ai découvert cette marque aussi ce mois-ci. Et ils ont ouvert un corner essence dans mon Auchan. Et j'étais juste ravie parce que les youtubeuses beauté en parlent beaucoup. Et je voulais vraiment découvrir cette marque. Et moi, je suis tombée amoureuse des vernis. Donc, ce sont, vous voyez, deux couleurs parfaites pour l'automne. Donc, celui-ci, le beige, c'est Dare It Nude. Donc, c'est le numéro 162. Qui est vraiment bah, un beige qui fait des ongles vraiment très propres. Et ça, j'aime vraiment beaucoup les couleurs neutres comme ça. Et le dernier que j'ai acheté, c'est Be Berry Now. Donc le 175. C'est celui que j'ai en ce moment sur mes ongles. J'arrête pas de le mettre en fait. Depuis que je l'ai acheté, ça fait 15 jours que je l'ai acheté. Et 15 jours que je porte que celui-là. Il est. Parfois, j'ai l'impression qu'il est bordeaux. Et des fois, j'ai l'impression qu'il tire sur le violet. Et certaines fois avec une lumière bizarre on a l'impression que c'est un rouge carmin alors que pas du tout. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup beaucoup ces vernis. En plus cette petite chose ça coûte à peine 2 €. Donc un vernis qui tient bien, qui s'applique bien, qui tient longtemps, qui a de jolies couleurs et qui coûte si peu cher. Franchement c'est, si vous aimez les vernis à ongles les filles, franchement foncez si vous pouvez trouver cette marque. Parce que moi je l'aime vraiment beaucoup et d'ailleurs toute la gamme est vraiment sympa. J'ai acheté d'autres trucs, des mascaras etc. et vraiment c'est ça vaut le coup. Ensuite j'ai une paire de boucles d'oreilles à vous montrer. Pareil, ça fait pas longtemps que je les ai achetées, ça doit faire une semaine ou 15 jours. Et ce sont des petits hiboux, j'arrive pas à vous les montrer. Voilà, ce sont des petits hiboux. Je les ai trouvés juste trop jolis et je les trouvais parfaits pour cet automne et cet hiver. Voilà, ça fait partie de mes favoris parce que je les mets pas mal aussi. Sauf qu'il y en a un qui tourne. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et ensuite, dernier favori bijoux, entre guillemets, ce sont deux bracelets que j'ai achetés cet été. Mais que je porte définitivement plus en fait cet automne parce que je les ai portés cet été. Mais l'été, bah, en vacances, personnellement, je porte très peu de bijoux parce que j'ai toujours peur qu'ils s'abîment. Avec la mer, etc., avec le sable. Mais je les ai achetés cet été et je les ai vraiment pas mal portés cet automne. Donc si vous connaissez un peu les bracelets Ipanema, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des bracelets comme ça, mais qui coûtent très 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 cher. Et ceux-là, moi je les ai trouvés pourquoi 3 fois rien sur un marché, donc en vacances, mais je pense qu'on peut en trouver ailleurs. Parce que si je me souviens bien, j'ai vu des youtubeuses beauté, alors je sais plus lesquelles, qui en avaient acheté chez H&M, etc. Donc je pense qu'on commence à pouvoir en trouver dans les magasins. Donc je vais vous les montrer. Ce sont des bracelets comme ceci. Donc en fait, c'est une association de plusieurs bracelets, rubans, etc. Un peu bracelet brésilien, qui se ferme à l'arrière avec une attache aimantée. Je vais le mettre pour vous montrer et j'adore ces bracelets. Donc voilà, et en fait j'en ai donc un violet comme ceci qui est vraiment très très joli. Et mon préféré pour cet automne c'est plus le rouge. Donc voilà, qui est comme ça, qui est vraiment très très joli aussi. Et j'ai craqué moi quand j'ai vu ces bracelets. Franchement j'aurais pu, il y en avait tout un stand et j'aurais pu en acheter... vraiment pas mal, donc je les aime vraiment beaucoup. Je pense pas, je sais pas si vous pouvez retrouver exactement ceux-là parce que moi je les ai achetés en vacances, donc dans le sud de la France.
avant de partir en Espagne, mais je les aime vraiment beaucoup beaucoup. Ça habille tout de suite le poignet et je trouve ça vraiment très 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 joli et ça tient plutôt bien en fait. Moi au début j'avais un peu peur que le fait que ça soit juste aimanté, ça se décroche facilement et au final non, quand il est enclenché il tient bien. Donc voilà pour ça, je les aime vraiment beaucoup, donc je voulais vous les montrer. Et ensuite un dernier favori, j'aurais pu vous le montrer avant parce qu'il aurait pu faire partie des compagnons de lecture parce que c'est vraiment mon meilleur ami depuis que je l'ai acheté. C'est mon nouveau plaid, alors je vais vous le montrer mais il est juste énorme. Donc on va essayer de vous le montrer comme il faut. Donc voilà, c'est un gros plaid juste immense. Donc voilà, vous ne me voyez plus. Donc c'est un gros plaid, donc comme vous pouvez le voir il est... Je sais pas si vous verrez bien à la caméra la couleur, mais il est un peu vieux rose. Donc il va très très bien dans les couleurs de ma chambre. Et donc les bordures sont en moumoute comme ça, blanc. Et après tout le reste est en moumoute blanche comme ça de l'autre côté. Et j'adore juste ce plaid. C'est d'une douceur mais juste folle. Et franchement il est super chaud et ça c'est génial parce que... chez nous on a un problème d'isolation et du coup on se caille toujours les meules même avec le chauffage à fond. Dans les chambres il fait super froid, enfin les appartements sont super mal isolés. Et donc du coup ça, mais je crois que ça va être mon meilleur ami de l'automne et de l'hiver. Parce que je dors déjà avec en fait par dessus ma couette. Donc en fait cet hiver il y en aura certainement encore un autre par dessus. Mais voilà, j'adore ce plaid. Et j'adore me blottir dedans quand on lit, enfin je sais pas vous mais moi c'est vraiment un truc que j'adore faire, me blottir dans mon lit avec un plaid comme ça, une bougie, un thé, un bon bouquin et voilà, vous m'entendez plus pendant des heures. Donc voilà, je voulais vous montrer mon nouveau plaid. Pour ceux à qui il plaît, je l'ai eu chez Jiffy pour 12€ je crois tout rond. Oui, je crois que ça doit être ça. Je l'ai acheté la semaine dernière, donc je pense qu'il doit peut-être en avoir encore. Il y en avait aussi des beiges et des gris, mais moi j'ai vraiment craqué pour ce rose. Donc voilà, mais n'hésitez pas parce qu'un si gros plaid, si chaud et aussi bien, aussi doux, etc. Je sais que moi j'en ai acheté un à ma tante à Noël l'année dernière et le machin il m'était revenu à au moins 40€. Ça coûte les yeux de la tête. Franchement pour 12€, je pense que les gens se sont jetés dessus. Donc voilà pour mon petit plaid, enfin mon gros plaid. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour mes essentiels de cet automne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez fait des découvertes en ces mois d'automne. Donc voilà, je voulais aussi vous rappeler le concours. Donc vous pouvez toujours participer, c'est toujours ouvert. J'ai pas encore eu beaucoup de participation, je crois que j'en ai eu 10... 15 ou 10, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas surtout à participer, plus vous serez et plus ça me fera plaisir. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.